tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Anse-Bertrand. Pourquoi ? Parce que nous avons été invités. On vous le rappelle sans cesse, invitez-nous et nous venons. Eh bien, nous sommes venus pour eux. Et oui, vous savez, on vous le répète sans cesse, n'hésitez pas à nous inviter chez vous. Aujourd'hui, c'est Naya et Peyo qui nous ont invités, Hervé et moi-même, à venir leur rendre visite. Bonjour Naya. Bonjour. Et bonjour Peyo. Bonjour. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui, Naya, dis-moi. Parce qu'on voulait faire un peu médiatiser le surf et que depuis quelques années, on fait des compétitions et on est tous les deux très bons. D'accord, donc vous êtes tous les deux très bons. Donc c'est-à-dire très bons, c'est tu participes depuis très longtemps aux compétitions ? Oui, depuis que j'ai 9 ans environ. Et je fais des compétitions européennes, régionales, nationales. Ok, et tu as déjà eu des titres ? Oui, j'ai eu là il n'y a pas longtemps le titre en Open. Donc j'ai gagné contre des adultes. J'étais contente. Après... J'ai fait un quart de finale il y a 2 ans en pro junior. Mais tu as commencé à faire du surf à quel âge ? 4 ans. À 4 ans, tu savais nager ? Oui. Mais c'est super. Et justement, comment tu vois ton avenir dans le milieu du surf ? Dis-moi. J'aimerais bien être championne du monde. Oui. Et pouvoir voyager partout dans le monde. Okay. J'aimerais aller aussi aux JO. Les JO ? Oui. Pourquoi les JO ? On fait du surf dans les JO ? Oui, c'est... Depuis, ça va, là, les premières compétitions JO vont commencer en 2020. D'accord. Donc, je rêve d'aller aux JO. Donc, en fait, il va y avoir des sélections et tout ça, et tu vas y participer ? Oui, j'espère. Oui. Mais récemment, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un stage en Afrique du Sud. Tu es partie en Afrique du Sud en stage ? Oui, je suis partie. C'est une sélection pour les championnats du monde junior. D'accord. C'est un début de sélection. Après, il y a aussi les pro juniors qui comptent, c'est des compétitions européennes. Et comme ça, les sélectionneurs peuvent voir notre niveau. Et voilà. Vous avez besoin de financement pour pouvoir continuer à t'étendre et continuer à rester une championne, c'est cela ? Oui. Et tu es la seule à faire du surf dans ta famille ? Non, il y a mon grand frère Peyo qui est 2 fois champion de France, 2017-2018. D'accord. Et en handi surf. Ben merci Naya, et du coup je vais passer à Peyo. Bonjour Peyo, mais on dirait pas du tout que, en plus de double champion de France, j'ai envie de dire. Ah oui, d'accord, ça rigole pas dans la famille. Eh oui. Ouais. Et donc ça fait combien de temps que tu fais du surf toi ? 10 ans. Et là t'es double champion, donc c'est quoi ? C'est tout récent là ? Oui. Donc 2017 et 2018 ? Oui. Super. Et le surf ça t'apporte. Alors tu es autiste, donc c'est ce que disait Naya ? Oui. Et donc tu pratiques une activité régulièrement, tu en fais du surf ? Oui, beaucoup. Oui ? Beaucoup. Et ça te plaît, ça te fait du bien ? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui, par exemple, dans ta situation, en situation de handicap, et qui aimeraient en fait aller mieux ? En tout cas, essayer le surf. Vous venez surfer. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est clair, il faut venir surfer avec toi du coup, voilà. Et on sera champion comme toi. Oui. Le surf en Guadeloupe, tu penses qu'il a quelle place et quel avenir ? Il commence à se développer, mais ça serait bien qu'il soit un peu plus médiatisé. Et on a des champions, donc c'est super. Ouais. Bon, ben super. Donc en tout cas, on vous encourage à faire comme Naya et Peyo, à nous inviter à venir vous voir. Et c'est vrai que le surf, on n'y pense pas forcément, mais ça reste une discipline qui bientôt va devenir, qui va être dans les Jeux Olympiques. Donc c'est super. Et là, je vois que tu tiens quelque chose en main. Et je regarde parce qu'en fait, j'arrive pas à partir. Vous savez, quand on nous invite chez vous, il faut être prêt à ce qu'on reste également. Et qu'est-ce que c'est ? C'est mon premier titre au championnat de Guadeloupe. Donc, j'avais 10 ans, je crois. 9, 10 ans. Et voilà. Ok. Mais tu étais première ? Oui.
T'as fini première? Oui. Mais moi je vais continuer ma petite conversation avec les deux parce que je trouve ça très très intéressant. Et puis n'hésitez pas à contacter Naya. Donc nous sommes à Anse-Bertrand, donc elle vit à Anse-Bertrand. Si elle cherche des sponsors, elle cherche des personnes pour l'accompagner, des personnes pour l'encourager et des personnes pour la pousser vers le haut. En tout cas, c'est déjà une championne. Et bien entendu, mon petit Peyo, il est plus grand que moi, qui aussi est un champion, donc qui prouve aujourd'hui que il y a aucune limite, l'handicap n'est pas une limite. Je veux aller en JO. Toi aussi, tu veux faire les JO? Ah oui, et tu veux être champion du monde bientôt? Oui. Dans combien d'années? Je sais pas. Là, aujourd'hui, tu as quel âge? 16. Bon, allez, tu sais quoi? Dans 2 ans, tu es champion du monde. Oui. D'accord? Oui. Ok. Et voilà, UTV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions invités par Naya et Peyo. Et je le rappelle, comme n'a pas cessé de me le dire Peyo, l'handicap se dissout dans l'eau. Alors je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de TV en commune. Et n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire et à nous inviter à venir chez vous. Allez, bye bye, bye, bye.